Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Toy Commander sur la Dreamcast. Et je vais vite passer à la suite, je vais éditer par nos clichés. Donc on est dans l'époque quand même, fin 90, et quand vous le savez, avec les Toy Story qui font des cartons, on a beaucoup de jeux. On a beaucoup de jeux qui se basent sur le principe d'être incarné en fait dans un jouet, ou dans un mode un petit peu miniature en fait, où on se balade en fait dans une maison à l'échelle réduite. On a notamment les jeux Toy Story, on a aussi les Army Men, et là on a Toy Commander. Alors c'est peut-être pas forcément la même licence, mais en tout cas l'idée est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on se balade dans un monde réel, et on est au volant de... enfin voilà, aux commandes de petits jouets. Donc c'est parti, on va regarder les options rapidement. Donc on a les contrôles, l'affichage. Donc l'affichage on va laisser par défaut. On a les options de son. On a une jukebox, volume de la musique. On va mettre aléatoire. Volume de la musique, on le baisse un tout petit peu. Mode stéréo. Voilà. On peut changer la langue, on va rester en français puisque on est en France. Enfin en tout cas la vidéo est en français. Configuration d'origine. Ça c'est pour remettre par défaut. On a un mode multijoueur que l'on ne testera pas aujourd'hui, mais on fera la partie solo à la place. Et voilà, donc on a la maison. Alors on a plusieurs zones de la maison. Vous pouvez voir qu'on commence... enfin la seule zone débloquable au début, c'est la cuisine et la salle à manger. Mais ensuite on aura, on aura tout le reste. Et donc du coup on va commencer par cette partie là. Donc on a plusieurs modes de jeu, on a le mode entraînement, le mode recette du jour, la course aux anneaux, les pièges sous-marins, donc c'est des sortes de mini-jeux. Et apparemment il faut les finir en un temps assez réduit, vous voyez, 1 minute 50, 0,35, 1 45, 1 40 si on veut réussir ça de manière à avoir le meilleur score. Donc je vais vous montrer le début qui est l'entraînement. Vous voyez, on a des véhicules à droite. En fait, on va pouvoir switcher entre les véhicules au fur et à mesure que l'on joue. Par exemple, vous allez voir ici. Donc, je vais vous lire un petit peu. Donc, c'est Cyclone. D'ouvrir le bal, je suis le boss de la cuisine. J'ai préparé dans cette pièce 6 missions que tu devras réussir si tu veux en découvrir d'autres. Mais comme tu ne sais encore rien faire, va t'entraîner et reviens me voir quand tu seras dégourdi les jambes, ou plutôt les doigts. Alors, donc en gros, il va falloir... faire dans cette mission, il va falloir décoller avec l'avion, se poser sur une piste, ensuite utiliser l'hélicoptère pour larguer deux sucres dans le bol de cacao, et enfin, au volant du pick-up, retrouver la tablette de chocolat. Enfin, il y a d'autres missions annexes, mais on va faire ces trois missions. Donc c'est parti. Vous voyez, donc on est dans la cuisine, donc ça c'était, voilà, comme je dis comme à l'époque, c'est-à-dire on aime bien être dans un milieu... milieu maisonnesque, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors, j'avance du coup... avec la gâchette, je tourne avec l'autre, avec le joystick. Et le but, voilà, c'est juste de tourner, je suis allé un petit peu au but. Là, je vais m'arrêter sur la piste d'atterrissage. Voilà, j'ai un petit bouton qui va me permettre de switcher avec ce véhicule-là. Je vais... alors, ils ont tous un maniement un petit peu différent, c'est pas évident. Oh là là, attendez, je vais essayer de baisser un peu. Là, c'est vers le haut, voilà, hop. Je vais prendre un sucre, deux sucres, trois sucres, pourquoi pas. Je tourne, voilà, je vais avancer un petit peu. Ce qui n'est pas évident, voilà, c'est que les commandes sont un peu inversées. Je mets au-dessus, et là, je vais larguer un, deux sucres. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller essayer de chercher le troisième truc, le troisième véhicule, qui est là. Voilà, on va baisser. Non, toujours là-bas, c'est inversé. C'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'il faut inverser la touche. Faut que je me rapproche du véhicule. Là, je vais pouvoir switcher. Voilà, c'est parti.
Et avec le véhicule, je vais aller chercher la tablette de chocolat. Alors je vous épargne un peu la phase de recherche, puisque j'ai déjà fait ça avant, pour m'entraîner un petit peu. Donc là, faut que je passe par là. Si j'étais pas bloqué, j'aimerais pouvoir y arriver, ça serait cool. Voilà. Attention. Et là, le but, c'est d'aller chercher la tablette de chocolat. Alors là, il faut la réussir en moins de je sais pas combien de secondes. Là, on va pas réussir. Hein. Concrètement, on va être un peu trop lent. Voilà, la tablette de chocolat qui se trouve ici. Je pense que j'ai pas trop mal réussi. Bon, je suis peut-être un peu nouveau record, une 52. Donc voilà, j'ai réussi. Je peux sauvegarder mon score. Vous voyez, la première fois que j'ai fait la mission, je l'ai faite en 9 minutes. Pour vous dire à quel point j'ai galéré. Bon, quelques petits bugs graphiques à droite, vous inquiétez pas, c'est l'émulation. Une mission d'entraînement facile, réussie facile. Mais je vais te donner un conseil, à chaque pièce de cette maison correspond à un boss. Si tu réussis à battre nos temps, lors de 4 missions au moins, tu auras le droit de te mesurer à nous. Si tu gagnes ces combats, nous deviendrons tes alliés. Tu pourras nous piloter lors du duel final contre le Toy Commander. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple la recommencer. Bon là, j'ai 1 minute 52, mais si je m'entraîne un peu plus, je peux faire le temps record. Alors je vais pas recommencer, hein, je vais vous montrer les autres niveaux. Mais voilà, il fallait faire une 40, j'ai fait une 52. Ça reste faisable, mais il faut vraiment voilà, pas se louper dans chaque phase. Alors on va faire la deuxième mission, qui est la mission recette du jour. Alors, tu veux vraiment te mesurer à moi? Alors prouve-moi que tu es capable de le faire, de te faire cuire 2 œufs. Les œufs à la coque, c'est 3 minutes dans l'eau bouillante. Alors n'oublie pas d'allumer le gaz. Ok. Donc c'est parti, les œufs à la coque sont ici. Donc je vais devoir déplacer les œufs dans le... Je pense dans l'eau, mais il faut d'abord que j'allume le gaz. Donc pour allumer le gaz, je sais pas comment on va faire. Donc ouais, j'ai changé de véhicule. J'ai changé de véhicule. Là je vais essayer d'y aller. Ah, ils sont là-bas les œufs. Ah, j'ai pété les œufs, c'est pas ce que j'étais censé faire. Et j'ai joué. Attendez, on va faire recommencer parce que j'ai tiré dans l'œuf, du coup ça sert à rien. Oui, j'ai un tank aussi, peut-être que je pourrais le prendre après. L'avantage du tank, c'est que voilà, je vais passer par la passerelle en bas et essayer de déplacer les œufs. Par contre, je devrais péter ça. J'ai fait tomber là. J'ai fait tomber. Voilà, on va essayer de faire tomber les œufs. Allez, c'est parti. Alors, je peux ralentir, vraiment extrêmement ralentir. Voilà. C'est parti trop vite. Alors je pense que j'ai d'autres coups. Là, je peux tirer, je peux envoyer un missile, mais un missile ça sert à rien puisque justement je vais casser les œufs. Donc là j'ai fait tomber la pomme, je peux déplacer la pomme aussi. Si je tape dedans, on va essayer de chercher d'aller chercher le troisième œuf ici. Ah, ça devrait le faire là. Oh non, il y en a qui est tombé à côté. Ah oui, j'ai une jauge d'essence en haut à gauche. Et cette jauge d'essence, en fait, bah, elle se baisse, évidemment, elle baisse au fur et à mesure que l'on utilise l'avion. Mais je peux la recharger en allant chercher, par exemple, de l'essence ici. Bon, c'est un peu caché, hein, vous allez me dire, mais regardez, hop là. Voilà. Et mon essence est remontée. Alors c'est vraiment bien de pouvoir manipuler l'avion facilement, que je dis facilement, c'est-à-dire que je peux vraiment ralentir, voilà. Allez. Un œuf. Je crois qu'il a dit qu'il en fallait 3. Bon, on va en mettre le deuxième quand même. Mais je pense que ça va pas marcher. Là, je sais pas ce que c'est qu'on a débloqué. Il y a un bouton. Ah, c'est un boost. Oula, ça me fallait beaucoup plus vite, mais ça sert à rien, c'est pas le but. Il faut vraiment que je fasse tomber l'œuf. Alors, vous doutez bien qu'il va y avoir des phases un peu plus. Un peu différentes, notamment des phases où on va devoir tirer avec l'avion ou avec le véhicule. Par contre là où je suis un peu embêté, c'est que je trouve que j'ai fait une bêtise, c'est comme j'ai fait tomber l'œuf, le troisième œuf, et bah il va falloir que je le récupère, mais je peux pas le récupérer cet œuf. En plus il est tombé par terre, regardez, il s'est cassé, il faut recommencer. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Ouais, si cette fois-ci de pas faire de bêtises, je vais peut-être commencer par un œuf à gauche, je sais pas pourquoi on va commencer. Je vais prendre un peu de vitesse pour être tranquille. Ouais, ils sont là les œufs. Je vais faire tomber le premier. On va faire tomber le premier œuf.
Voilà, on a un. Il faut allumer le gaz. Alors je pense que pour allumer le gaz, il va falloir peut-être utiliser l'autre véhicule. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'objets qui me font penser à des objets qu'on utilise vraiment en France. Bah, des objets. Ou des produits qu'on utilise vraiment en France. Notamment le pot de chocolat, je sais pas si vous l'avez vu, on dirait... Alors je vais faire de la pub. On dirait le pot de chocolat bonne maman en fait. Je pense que vous allez le voir pas loin. Je crois que je vais tirer dessus même. Voilà, ici là. On dirait vraiment le pot de confiture, le pot de chocolat bonne maman, il est ici. On a même le pec citron qui est pas loin. Par contre c'est bizarre, il y a déjà un œuf qui est tombé. Oula, attendez. Oh, on va faire le tour. Il y a un œuf qui est tombé à côté. Non, il y a encore l'œuf là. Qu'est-ce qui est devenu notre œuf du coup? Ouh là, c'est compliqué. Je sais pas si je vais réussir à le déplacer. Il va falloir que je fasse attention à mon niveau d'essence aussi. Alors il y a plusieurs vues. Je vais vous montrer aussi. Il n'y a pas que cette vue là. Hein. On peut la changer. Je vais essayer de déplacer. Putain. Oh, c'est pas évident. On marche vraiment sur des œufs. Alors du coup. Encore en demi-tour. Ouais, c'est assez frustrant comme jeu dans le sens où voilà, on fait des allers-retours non-stop. Ouais, je vais essayer d'avancer un petit peu. Regardez la manière. Là, je peux me déplacer sur la table. Hop, je tourne. Oh, allez. Donc là, on a mis les œufs. Maintenant, j'imagine qu'il va falloir. Allumer le gaz. Alors pour allumer le gaz, je sais pas comment on va faire par contre. Comment on fait pour allumer le gaz? Je commence à manquer d'essence en plus. On va essayer d'aller chercher. Alors c'est pas évident avec ça. Ah, on a allumé une plaque. Pendant 3 minutes. Bon, voilà, c'est bon. Alors, on a plein de trucs. On peut réparer le. On peut réparer l'avion. On peut aussi réveiller le chat. Regardez, si je tire sur le chat. Allez, regardez le chat. Miaou, miaou. Je sais pas à quoi il sert le chat, s'il peut nous embêter, mais en tout cas, on peut aller le voir. Alors, ce qu'on va faire. Bon, il s'est reposé à notre endroit. On va aller chercher l'autre véhicule. Je vais revoir un petit peu ce qu'il y a à faire après. Donc là on va se poser. Voilà, dès que je suis à l'arrêt, je peux changer. Et hop, on est passé avec le tank maintenant. Alors le tank, il va falloir monter. Le chat qui s'est rendormi direct, c'est vraiment un chat quoi. Oula, 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 attention. Alors, est-ce que je peux tirer sur la pomme? Ouais, nickel. On va pouvoir passer par... J'espère que je peux passer par là. Ah, je suis bloqué, je peux pas passer par là non plus. Allez, on va... On va aller ici. Bon, il dit 3 minutes, mais bon, 3 minutes... qu'est-ce que je suis censé faire une fois que ces 3 minutes s'est chauffé? Alors attendez, on va revoir le briefing. Il nous a dit... Ah, par contre, j'ai déjà mis les œufs, donc là maintenant... Alors je vais vous montrer la vue. Donc on a une vue un petit peu plus éloignée. Hop, je vais changer la vue. On a une vue embarquée, on a une vue la plus loin possible. On a vu sur les côtés aussi. Mais on va quand même garder la vue classique. Je sais plus comment elle... où elle est cette vue, voilà. Non, ça c'est la vue devant, la vue arrière, on va y arriver, voilà, c'est bon. Par contre, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que les deux œufs ont été mis dedans? J'en ai aucune idée. On a le micro-ondes. Qu'est-ce que je suis censé faire en fait? Je comprends pas trop là. Parce que maintenant que j'ai fait ça, là il y a le véhicule. Bon, je vais repasser par là. Oh là, le petit saut. Là il y a des
des verres, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. Peut-être reprendre l'avion, je sais pas du tout. Ce que l'on doit faire. Bon allez, je vais laisser tranquille le chat, on va reprendre l'avion. On va reprendre l'avion. Mais alors là je sais absolument pas. Y a pas de. Si y a un objectif en bleu. Ah si on a un objectif, faut que je récupère ça. C'est ça non? Non, je sais pas ce que c'est. Bon, qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Parce que là... tout est activé. Oh là là là, je suis vraiment... Allez, je fais le tour. Qu'est-ce que je suis censé activer là de plus? Non, il n'y a rien. Ah, j'espère qu'on va pas rester bloqué là, ça serait dommage quand même. À peine commencé le jeu, déjà bloqué à des missions. Après, je peux reprendre la mission. Ah non, c'était pas la bonne. C'était celui-là. Voilà, j'ai remis les œufs à chauffer. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est tout! C'était juste ça. Bon, ok, bah, je pense que le script s'est pas déclenché. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est autour de cyclone de bouillir de rage. Tu parles, je serai vraiment en colère le jour où tu réussiras cette mission plus rapidement que moi. Ok, donc on va pas faire recommencer, hein, on va continuer. On va passer à la mission 3. Et regardez, j'ai encore débloqué d'autres missions. On a la course aux anneaux. Alors bon, voyons maintenant si tu es un bon pilote. Mets ton casque et fonce à travers les anneaux de feu. Vas-y, plein gaz. Pour impressionner Cyclone, tu dois terminer cette course dans les 3 premiers. Quitte à manquer de fair play. Ok, bah c'est parti. Donc première course. Quitte à manquer de fair play. Pourquoi pas. Ok, donc on a une... Voilà, là, on a une sorte de... Mon dieu. C'était pas là. C'était pas là. C'était pas là. Oh, il y avait un checkpoint qui était plus bas. Fou, fou, fou. Voilà, il est là. Ok. C'est par là. Faut que je termine dans les 3 premiers. Il est au-dessus. Oh là 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 là. Faut le voir. Hein. Faut le voir. Il est là. Attention. Il y en a en dessous. Ah. Je pense qu'on l'a raté là. Il y avait encore un autre checkpoint. Il est là. Ah, faut aller tout droit. Bon, enfin, on est terminé dernier. On est nul. On va recommencer. C'est pas grave, on va la refaire. Faut juste vraiment être tranquille, très calme. Allez, départ. Ah, c'est cool, on peut tirer. On peut tirer. C'est par là. Il est en face. Ah oui, on peut faire tomber les choses. Oh mon dieu, il est au-dessus. Alors là, celui-là, je sais absolument pas ce qu'il faut là comme checkpoint. Je termine dans les 3 premiers. Ils sont déjà arrivés? Oh non! Ah non, j'ai échoué, je finis quatrième juste devant lui. Allez, on va recommencer. C'est pas grave, on va le refaire. On va le refaire. On va le refaire, c'est juste... histoire d'entraînement. Oh, il est juste là, il est juste là, juste là, juste là, juste là. Ok. Ah,
il est là encore. Voilà, juste là. Ah, il est vraiment, vraiment super rapide, l'autre. Bon, au moins, on termine deuxième cette fois-ci. Le troisième va arriver. On va faire en 38 secondes. Et ben voilà, Cyclone a beau faire tous les sous-entendus qu'il veut, tu as su finir cette course, et ce, dans les trois premiers. Mais tu es encore loin de me battre. Il fallait faire 35-49, j'ai fait 38-14. Bon, c'est pas grave, on va faire continuer. On va passer à la suite, qui est le piège sous-marin. Alors, dans cette histoire, il me semble que le bateau rouge chargé de ravitaillement, va avoir de sérieux problèmes avec les sous-marins qui rôdent dans le coin. N'oublie pas de servir du radar pour opérer et détruire les 6 sous-marins ennemis. Eh ben, on va voir ce que c'est. Oh, on est dans un bateau, c'est trop mignon. Le petit pout-pout, petit pout-pout bot là. Alors. Ok, alors on a même des petits moutons. Je vais revoir la mission pour être sûr d'avoir bien compris parce que. Alors. Ok. Alors il y a un sous-marin. Alors je vais pas toucher. Ok. Je suis tombé dans l'eau, c'était pas ce que t'es prévu. On va recommencer, c'est pas grave. En fait, faut que je prenne le bateau. C'est un petit peu ça que je comprends pas trop. Est-ce que je suis censé prendre le bateau? Ah, ou alors faut que je trouve peut-être un sous-marin qui lui par contre est au niveau de l'eau. Enfin, est sorti de l'eau. Typiquement lui. On va voir. J'ai pas l'impression que ça le touche beaucoup. Ah, attendez, parce qu'on a pas mal de choses, hein. On a pas que ça. On a là d'ailleurs. Ouais, je pense que ça le touche pas. On va aller vers là. On a des piles. Oh, il y en a un sous-marin là ici. Ah, là, j'ai touché par contre. J'ai vu le rouge. Oh, regardez, on a tout qui me tire dessus. Alors attendez, on va essayer d'avancer un peu. On va récupérer des crayons. En fait, on envoie des bouchons de... Non, là je touche pas. Il faut vraiment que j'attende qu'il soit sorti de l'eau. Voilà, donc là on a vraiment tué le premier sous-marin. On va voir si le deuxième peut le toucher aussi. Ah, ok, bon bah alors du coup. Ouais, je pense que j'ai pas pris le bon dès le début. J'ai pas détruit le bon sous-marin. Allez, on va recommencer, c'est pas grave, on va retenter. Bot, il va faire le tour. Je pense qu'il faut vraiment terminer celui-là en premier. Il est là. Non, mais il faut vraiment que j'arrive à le toucher parce que sinon je pourrais jamais l'avoir. Ok, on en a eu un. Je vais en profiter pour récupérer des mines. Voilà, comme ça je serai tranquille. Donc là c'est mon objectif, hein. Enfin c'est ce que je dois défendre, c'est celui-là. On va aller chercher les autres sous-marins, il y en a un là. C'est bon. J'ai envoyé toute la sauce. Alors est-ce qu'il y a d'autres sous-marins sur le côté? Pas l'impression, s'il y en a un là, il y en a un là. Il
Voilà. Bon, je fasse gaffe, on va faire le tour. Est-ce qu'il y a encore des. Est-ce qu'il y a encore des sous-marins qui vont l'embêter là? Réfléchis. Le pout-pout-bot il va aller là. Je vais récupérer des munitions. Voilà. Alors on est au volant d'un. Enfin voilà, en train de piloter un corsaire d'ailleurs au passage. Voilà, petite anecdote. Il va faire le tour. Je sais pas trop ce qu'il va. Ah et voilà, on les a détectés donc du coup. Ah mais en fait. Aïe aïe aïe, en fait. En fait, il était au milieu le. Le sous-marin, je pensais qu'il était fallait tirer dessus bêtement, mais en fait. Wow, faut vraiment que je fasse gaffe. Allez, j'ai un truc pour me réparer. Voilà. Par contre, j'ai plus trop de. Plus trop de munitions. J'ai intérêt à me bouger. Puis en plus, il y a apparemment il y en a un. Juste là-bas, de sous-marin. Allez tuer. Il est où le sous-marin? Il y a un sous-marin qui est cassé. Ah regardez, j'attaque avec des marqueurs, alors je sais pas ce que c'est. Faut que je trouve de quoi me recharger là par contre. Faut que je trouve de quoi récupérer de l'essence. J'ai pas d'essence. Où est-ce que je peux trouver de l'essence? Là-bas, là-bas. Là-bas, il y en a juste là. Voilà. Allez, vite, 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 avant que le pout-pout-bot se fasse attaquer. Ah, il y a un ennemi apparemment. Je sais pas où il est. C'est marrant, on dirait qu'il y a un ennemi qui est planqué en rouge. Mais je le vois pas du tout. Ah, il est là! Et ben voilà, on a réussi! On a réussi à avoir le sous-marin. Ouais, je me demandais, il était caché sous la table, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une mission assez sympa. J'ai bien aimé celle-là. Alors là, une mission infiltration. On va faire celle-là, on va essayer un petit peu et puis on se laissera là-dessus. J'ai pas non plus montré le jeu entièrement. Alors, cette fois, mes amis ont en leur possession une nouvelle arme terrible capable de t'anéantir en un clin d'œil. Pour le moment, t'as de la chance, ils attendent des renforts. Justement, ce convoi ne doit pas arriver jusqu'à sa base. Au fait, tu n'as jamais eu envie de faire sauter un pont avec une grosse bombe secrète, par exemple? Ok. Alors, ok, donc à mon avis, il va pas falloir se faire avoir par les... ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je sais pas ce que je suis censé faire. Alors attendez, on va revoir le briefing à chaque fois parce que... Ouais, un truc qui me tire dessus. Ah ok, bon bah attendez, on va aller le chercher. Ah il est là! Pas de munitions, il va falloir que j'en trouve une autre. Ok, donc là j'ai un convoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des munitions? Ouais, c'est des munitions. Le convoi il est juste en bas. Oh là, je me suis fait démolir. Ça a fait. Allez le chat, c'est le moment d'attaquer. Oh là là là, je prends tellement cher. On va récupérer des munitions. Le convoi de la mort.
J'ai l'impression d'en faire beaucoup de dégâts par contre. Hein. Par contre, lui il me fait vraiment très très mal. Alors attendez, on va. Est-ce que je peux me réparer là? Parce que je suis en train de me faire totalement démolir. En tout cas, je vais devoir récupérer des munitions, ça c'est certain. Apparemment, il y aurait une bombe aussi. Regardez les missions qui partent de partout. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de détruire uniquement les... Là je peux le faire réparer. Ok, donc on va en profiter. Pour récupérer un peu d'énergie, enfin un peu d'essence. Et on va récupérer quelques munitions. Par contre je les vois en rouge. Alors est-ce que ça veut dire... Ok. Oh, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ils sont trop les gens. Ah je vais mourir. Je vais mourir. Bon c'est pas grave. Ça c'était le mode infiltration. Bon enfin vous avez compris, je vais pas non plus tout... vous montrer comme je disais. Donc c'est un jeu édité par Sega qui sortait sur Dreamcast, donc normalement bah, il n'est pas sorti sur les autres consoles à l'époque, donc il fallait avoir une Dreamcast pour y jouer. C'est un jeu pas mal, le début me paraissait un petit peu ennuyant, mais plus on avance dans l'émission plus c'est quand même sympa. Donc est-ce que c'est un jeu que je recommande? Bah oui évidemment. Évidemment, si vous aimez ce genre de jeu, bon, ça a pas mal vie évidemment au niveau des graphismes, mais ça reste assez mignon, enfin ça va très bien je trouve pour niveau graphique, même à l'heure actuelle, ça passe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.